Salut, comment vous trouvez nos tenues? Salut, trop cool. On va aller au club comme ça. Les filles, et comment vous nous trouvez, nous? Vous êtes super, les filles. Et rappelez-vous qu'on va aller au club sans les garçons ce soir. Si jamais ils l'apprenaient, notre plan tomberait à l'eau. Les filles, nous sommes Motus et Bouche Cousue. Les filles, je suis bien d'accord. On doit faire une petite pause avec les gars. C'est super, on va s'amuser ce soir. J'espère juste que ça ne va pas mal se terminer. On sait que les mensonges attirent les ennuis. Mais qui vous dit comment? Personne n'en saura rien. On va juste aller s'amuser au club ce soir. Il n'y a pas de mensonges et donc pas d'ennuis. Croisons les doigts. J'espère aussi que personne ne se plaindra de nos tenues à l'école. Aïe, ma jambe! Zach, mais fais attention! Oh. Le beau Zach est à terre. Nastia, Zach n'a rien de beau. Ah, il y a son ambulance qui arrive. Juste à temps. Zach, ne t'inquiète pas, j'arrive. Blondie, il est juste tombé. Du calme, il est juste tombé de son skate. C'est juste une égratignure de rien du tout. Eh bien, chaque égratignure doit être soignée, Sean. Blondie, tu es ma sauveteuse. Aïe, hein? Ridicule. Ça va aller, Zach. Fais plus attention la prochaine fois. Merci. Tu as une autre égratignure quelque part, Zach? Sous mon pantalon. Enlève ton jean. Ça suffit, je ne veux pas regarder ça. Allez, Sean, viens ici. Blondie, c'est bon, il est grand. Mais tu le traites comme un enfant. Je ne peux pas, je tiens sa tête. Les filles, c'est mon petit ami. Je ne peux pas laisser comme ça mon petit ami quand il a des problèmes. Enlève ton jean, Zach. Ah bon sang, Blondie est finalement une gentille fille. Elle s'occupe très bien de son petit ami. C'est parce qu'elle est très heureuse d'en avoir enfin trouvé un. Zach, est-ce que tout va bien? Maya, pourquoi tu dis ça? Elles vont encore critiquer nos tenues. Ça y est, nous ont vues. Salut les Kitty. Où est-ce qu'elles vont habiller comme ça? Je ne sais pas, mais leur tenue m'énerve. Tu as vu? Il n'y a presque pas de tissu. Ouais, tu as raison. Les filles, Zach se sent mieux. Hourra! On est ravis pour toi. Blondie, regarde un peu leur tenue. Non, mais vous avez vu ce qu'elles portent? Les Bunny, est-ce que vous essayez de draguer nos petits amis? Mais non, les Kitty, on va juste à l'école. Et vous feriez bien de vous dépêcher, les cours vont bientôt commencer. Vous savez quoi, les Kitty? Il n'y a que certaines morphologies qui peuvent se permettre de porter ça. Maya, mais pourquoi t'as dit ça? Tu connais bien les Kitty. Allez vite à l'école. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je n'ai rien compris. Je crois qu'elle vient de nous traiter de filles trop enrobées. Des cintres. Elles sont comme des cintres. Les Bunny, vous êtes des cintres. Nous, on a des formes de sablier. Je me sens mieux blondie. Ok, allons à l'école. Sinon, la méchante va nous donner un N. Allons-y, Sean. Blondie, t'es mon sauveur. T'es mon amour. Zach, et toi, t'es mon beau gosse. Regarde, regarde, Timur. Oh, quel hypercute. Tiens, Timur, ton pendentif. Félicitations, tu l'as bien mérité. Merci, Kirill. C'est un plaisir de le recevoir de toi. Oh, s'il vous plaît. Arrêtez. Mais quoi, je félicite un joueur de notre équipe. Des questions? Non, non, pas de questions. Timur, le meilleur pendentif reste le mien. Regarde le masque. Tu ne l'auras pas, c'est à moi. Et le cobra est sain. Le cobra aussi un pendentif cool. Kirill, c'est bien le plus cool, hein? Les gars, vous êtes tous cool. Tous, je suis fier de vous. Oh! Merci, Kirill. Les gars, souvenez-vous, on va inviter les filles à sortir aujourd'hui. Ne comptez pas sur moi. Je vais jouer à la PlayStation toute la nuit ce soir. Non, Timur, viens avec nous. Tu peux y aller avec Nastia. Courage, petit. Pourquoi tu ris? Avec qui tu vas sortir? Je vais jouer à la PlayStation. Oh! C'est cool, on a congé, allons sortir. Ouais. Les gars, je ne vais pas sortir avec Nastia. Ne me forcez pas à sortir avec quelqu'un. Les gars, s'il vous plaît. D'accord, tu vas jouer à la PlayStation et moi je vais sortir avec Nastia. Marché conclu. Juste un rappel, le couvre-feu est à 22h. Demain matin, entraînement. À 22h? 22h, c'est l'heure des enfants. Aïssa, le coach a dit 22h. Timur, tu commences à m'énerver. Les filles bénies seront prêtes qu'à 22h. C'est quoi ce rendez-vous? J'ai dit 22h. Salut Stella, c'est quoi la leçon maintenant? Salut les filles, c'est quoi ces tenues? Qu'est-ce que vous portez? On est à l'école. Oups, les bunnies se font réprimander. Non, mais vous avez vu leur tenue? Écoute Stella, tu te crois à Poudlard ou quelque chose comme ça? Ici, c'est l'école des bunnies. On est les responsables de cette école et on crée même les tendances. T'as compris Stella? Tu ferais mieux de faire profil bas avec nous. Écoute Lorraine, toi aussi tu portes un look un peu bizarre pour venir à l'école. Les filles, je ne vous laisserai pas entrer en classe comme ça. Quoi? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Oh mon Dieu! Les filles, elle n'a rien à faire dans l'administration. Écoute Stella, tu veux toujours que Timur aille à tes cours particuliers? C'est quoi le problème? Timur et moi, on s'éclate pendant nos cours. C'est dommage parce qu'il ne viendra plus à tes cours. J'ai compris. Vous pouvez aller en classe, ne soyez pas en retard. Merci Stella. Stella, quoi? Pourquoi
elles peuvent aller en classe et pas nous. Nos tenues sont tout à fait correctes pour l'école. Mais tu nous empêches d'entrer. Lorraine, tu as oublié ta jupe, donc tu ne peux pas aller en classe. Les tenues des Bunny, elles sont correctes. Si ça vous pose problème, allez voir le directeur. S'il vous laisse entrer, c'est ok pour moi. Le directeur? C'est une bonne idée. Allons voir le directeur. Et on va aussi lui dire que tu favorises certains élèves dans cette école. Les filles, Stella ne voulait clairement pas nous laisser entrer en classe avec ses tenues. Stella voulait surtout gâcher notre bonne humeur parce qu'on est canon dans ses tenues. J'espère que le professeur va s'y mettre lui aussi. Les filles, on n'a qu'à dire au prof. On est les Bunny, c'est l'école des Bunny et on est à la pointe de la mode. Bunny the best. En tout cas, il ferait mieux de ne pas nous chercher des noises. Très bien les filles, qu'est-ce qu'on va dire aux garçons? Ils vont nous demander où on va aller, non? On n'a qu'à leur dire qu'on va aller à la pharmacie pour acheter des produits d'hygiène. Bien sûr, c'est une tenue pour aller à la pharmacie. Les garçons ne sont pas bêtes. Les filles, vous pensez sérieusement que les garçons vont remarquer ce qu'on porte? Ils ne font jamais attention à notre apparence. Zach, s'il te plaît, je t'en supplie, fais attention, ne me fais plus jamais stresser comme ça. Non mais franchement les Bunny, c'est quoi ces tenues? Arrêtez de porter ce genre de petites tenues à l'école, ou vous allez séduire nos petits amis. Calmez-vous, on s'habille comme ça pour nous, mais pas pour vos petits amis. D'ailleurs, ils ne nous intéressent pas du tout. Ouais, un mec avec un sparadrap et des petits canards sur le nez, c'est pas du tout notre genre. Nous, on préfère les garçons forts et courageux. Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre un sparadrap avec des petits canards dessus? C'est très efficace, hein. J'ai plus mal au nez, hein. Au fait, les filles, vous n'êtes pas non plus notre genre. Vous êtes trop maquillées et trop parfumées. J'arrive à peine à respirer. Bravo, Sean. Tu as retenu tout ce que je t'ai appris. Je te dirai plus tard la suite. Oui, bien sûr. Il vaut mieux puer que sentir bon. Les filles? Des goûts différents pour des gens différents. Sérieusement, je n'en peux plus de ces filles. On s'est fait virer de l'école. Parle pour toi. Mais moi, ma tenue est correcte. Ta jupe est bien trop courte. T'as pas entendu ce qu'on t'a dit? Et moi, qu'est-ce qu'on m'a dit? Lorraine, t'as oublié ta jupe. C'est interdit de porter un short ou quoi? Tu portes un short? Non, c'est un slip. Pourquoi tu ris? J'imagine Lorraine en short. Pour information, je suis incroyablement belle en short. Très bien les filles, je veux parler aux Bunny aujourd'hui. C'est trop injuste, on les a laissés entrer, mais pas nous. On va parler aux Bunny. Les filles, vous n'êtes pas en cours? Ah ouais, on sèche. Lorraine, est-ce que t'as oublié de mettre ta jupe? Les basketteurs ont l'air cool, mais ce sont des idiots. Je suis déjà en short, abruti. Ouais, les gars, vous êtes bizarres. On s'est fait virer de l'école, alors que les Bunny portent aussi des jupes courtes. Ouh! Les filles, ne les écoutez pas, vous êtes cool. Si on n'avait pas de copines, on vous inviterait à sortir. Mais on a des copines, alors vous n'avez pas de chance. Vous êtes bien trop désagréables. On n'ira jamais à un rendez-vous avec vous, jamais. Vous êtes bien trop flippants. Ouh! Les gars, on vient de se faire insulter. Allons le dire aux Bunny. Aïe, aïe, aïe. Vous allez voir, les Bunny vont venir vous bouter le cul. On n'a pas du tout peur de vos Bunny. On comptait justement leur parler. À propos de l'injustice dans cette école. Très bien, au revoir. On s'ennuie. Vous êtes trop ennuyeuses. C'est vous qui êtes ennuyeux. Si seulement on avait des mecs, les basketteurs ne nous taquineraient pas autant. Ils taquinent tout le monde. Ils sont peut-être cool, mais moi je ne les ai jamais aimés. Les filles, vous avez vu qu'on a tapé sur ma casquette? Il faut qu'on le dise aux Bunny. Moi, je vous conseille de vous changer, parce qu'on devrait aller en cours. Les filles, pour aller au club, on a besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Les filles, vous avez du parfum? J'aimerais sentir bon. Knoppa, on vient justement de nous dire qu'apparemment on est trop parfumé. Knoppa, j'ai du parfum. Tu peux l'utiliser si tu veux. Et d'ailleurs, tu sais quoi, Maya? Il vaut mieux sentir trop bon que ne rien sentir du tout. D'accord, dans ce cas, je mettrai du parfum après vous deux. Allez les filles, dépêchez-vous de vous repoudrer le nez. C'est presque l'heure d'aller au club. D'ailleurs, je crois que j'ai terminé. Je suis prête. Moi aussi, je suis prête. Waouh, quel bon parfum! Les filles, vous vous êtes parfumées pour nous! Phéromone! Mais non, Thomas, c'est juste du parfum, il n'y a pas de phéromone. Salut les gars, on allait aller à la pharmacie. Oui, c'est très loin, c'est pour ça qu'on sent si fort. On va transpirer. Mais il y a quoi? On ne transpire pas. Les gars, pourquoi vous êtes là? Vous voulez nous souhaiter bonne chance avant de partir? On doit aller à la pharmacie pour s'acheter des produits d'hygiène. On est venu vous proposer un rendez-vous. Vous avez oublié? C'est notre jour de congé et on a un rendez-vous. Donc, non pas, la pharmacie attendra. Les garçons, c'est votre rendez-vous qui attendra. Oui, j'ai tellement mal à la tête. Oui, en plus, on doit aller s'acheter des antidouleurs. Désolé, les gars, il n'y aura pas de rendez-vous aujourd'hui. Sorry. Punaise, Nastia, j'avais une chance de sortir avec toi. Knoppa, tu as mal à la tête, hein? Laisse-moi aller à la pharmacie à ta place. Vous êtes vraiment en train d'annuler le rendez-vous à cause de la pharmacie?
Oui, Kirill, on vient de se rendre compte qu'on a tellement de choses à acheter. Thomas, je préfère y aller toute seule. Tu sais, quand je marche, mon mal de tête s'estompe. Vous croyez vraiment qu'ils nous ont cru? Ouais, à 100%. Les gars, vous croyez à leur histoire? Je crois à Mamaya. Ouais, la mienne m'a jamais menti. Je ne suis pas sorti avec Nastia, mais on dirait qu'elle ment. On dirait bien qu'elles ne vont pas aller à la pharmacie. Tu doutes de ta copine? C'est le premier signe que quelque chose ne va pas dans votre relation. Oui, ça craque. Bon, Stella, je l'ai écrit comme tu l'as dit. Tu vois que tu es très doué, tu es même très intelligent. On va résoudre encore quelques équations. Mais Stella, tu m'as dit de ne résoudre que celle-ci. Mais comme ça, tu seras encore plus doué. Oh, Stella, on est en cours, pas un rendez-vous. Non, je voulais juste te donner un indice. Je ne sais pas pourquoi tu me fais passer ces cours. T'es en train de me draguer, Stella. Tu me dragues. Timur, non, je n'ai jamais pensé à te draguer. Allez, continuons les calculs. Non, Stella, je ne vais plus suivre de cours particuliers avec toi. C'est bizarre que toi et moi, on est tout seul dans une salle de classe. Timur, s'il te plaît, personne ne doit savoir ça. Savoir quoi? Que tu voulais m'embrasser de force? Oh mon Dieu, mais quelle administratrice! Merde, mon plan a échoué. Stella, mais pourquoi tu as essayé de l'embrasser? T'aurais dû encore attendre un peu. Ok, on attend le directeur jusqu'à la dernière minute. On doit lui parler. Mais qu'est-ce qu'il a, Timur? Il a l'air terrifié. Les filles, n'allez pas voir le directeur. Timur a certainement dû déjà être renvoyé d'une école. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je vous ai dit d'aller vous changer. On attend le directeur. On est pour l'égalité dans cette école. L'égalité. C'est bizarre. D'abord, Timur est sorti. Et maintenant, Stella. Ils ont dû prendre un cours particulier. C'est quand même très suspect. Les basketteurs, qu'est-ce qui se passe? Les bunnies s'amusent seuls dans leur coin? Et les basketteurs aussi? Comment ça? On dirait que les bunnies vont aller au club. Mais sans vous. Pardon, quoi? Ce sont des basketteurs cool. Mais les bunnies les trompent. Oui, les bunnies sont comme ça. Et toi, est-ce que tu vas me tromper? Jamais de la vie. Les filles, on va rouler et écouter de la musique très fort. Oui, jusqu'au club. Les filles, mais vous allez où? Quoi? Comment ça où? À la pharmacie. Est-ce qu'il y a un club qui s'appelle pharmacie? La fête, c'est un remède pour les maux de tête. Oh les garçons, mais quel club? De quoi vous parlez? Je n'en peux plus, j'ai trop mal à la tête. Oui les filles, on ne ment pas. Contrairement à vous, vous nous mentez. Vous avez échangé notre rendez-vous contre le club. Mais qu'est-ce que vous racontez? Les filles, allez, on y va. Les filles, attendez. Les garçons, je crois qu'il y a un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. On se doutait un peu que vous nous mentiez. Maya, je suis profondément déçu par tes mensonges. Knopa, je ne savais pas que t'étais une menteuse. Ice, tu fais un drame de rien du tout. Thomas, je ne t'ai pas menti. Qu'est-ce que tu racontes? Les filles, on y va? Amusez-vous bien. À la pharmacie. Les garçons, comment est-ce qu'ils l'ont su? Ils l'ont sûrement pressenti. Ce n'est la faute de personne. Alors on y va? Maya, non, on va rester. Si jamais on y allait, ce serait la fin de nos relations. On a mal agi, on leur a menti. Génial. On ne va pas y aller parce que vos petits amis ont découvert la vérité. On ne va quand même pas compromettre nos relations. Oh bon sang, notre sortie est foutue. Les gars, on ne voulait vraiment pas blesser les garçons. On voulait juste faire une petite sortie entre filles. Sans garçons. Mais maintenant, ils vont nous faire la tête. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et ne suivez pas notre exemple, ce n'est pas bien. À bientôt et... au revoir.